Dans la mythologie nordique, on dit que les corbeaux Huginn et Muninn sont assis sur les épaules du dieu Odin et qu'ils rapportent tout ce qu'ils voient et entendent. Odin leur demande de voler autour du monde chaque jour afin de connaître tout ce qui s'y passe. Pour moi, c'est Eric qui les envoie. C'est interdit au public. Je suis flic, connard. Ça vous arrive souvent de venir travailler dans cette tenue ? Officier Sarah ? Je peux pas croire que ce soit Eric qui a fait ça. Tout ce qu'on sait, c'est que la victime a été prise pour cible, dans un jeu de fléchettes. Et visiblement, le coupable n'était pas un bon tireur. C'est notre troisième victime en 2 semaines. Et à chaque fois, on retrouve la même signature sur la scène du crime. Et pas n'importe laquelle. C'est notre principal suspect. L'homme dont tu parles est mort. Et il est déjà revenu à la vie. Et puis merde, t'es pas enquêteur à ce que je sache, hein? Alors épargne-moi tes commentaires et va faire ton boulot. Vérifie le casier des victimes. Eric n'a jamais tué d'innocents. Je suis désolée, mais c'est le seul moyen de prouver ton innocence. Vous êtes qui ? D'anciens amis. C'était vous les meurtres ? Non, juste lui. Eric ! Enfin, je l'ai aidé. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'il revienne. Il reviendra pas, il a aucune raison de revenir, il s'est déjà vengé. Il a juste oublié 2 détails. D'abord, il m'a pas vraiment tué. Dommage. Et l'autre détail. C'est toi. Je parie qu'il va pas te regarder mourir.
Première expérience. J'ai peut-être été trop raisonnable. Je pensais qu'il allait se réveiller pour toi. Apparemment non. Tu ne m'es plus d'une grande utilité. Faut que ça crame. Et maintenant, Tibor, tu vas faire quoi? Je le savais. Je le savais. Tu vas mourir. Pour ce que tu m'as fait. C'est ma vengeance et tu vas y rester. Il aurait fallu revoir ton organisation avant d'invoquer le diable. Je t'avais dit que je veillerais sur toi. Je savais que c'était pas toi. Je savais que tu ferais pas ça. Merci. Eric ? Quand Huguin et Munin murmurent à l'oreille d'Odin les atrocités faites par les hommes, il envoie son plus fidèle guerrier pour les trouver et mettre fin à leur destin.